Bienvenue, chers amis, dans ce Sabbat d'Élise. Quel plaisir de se retrouver dans ce merveilleux moment de partage où nous prenons plaisir à venir à la présence de notre Créateur en ce jour sanctifié. Oui, à celui qui a jamais demeuré fidèle, à celui qui a pris soin de chacun de nous en toutes circonstances durant cette semaine, nous voulons lui donner l'honneur, la gloire et la louange. Chers téléspectateurs, nous voulons en ce Saint-Sabbat vous remercier de vous joindre à nous afin de témoigner de notre reconnaissance avec joie à notre Créateur. N'est-ce pas, Sylvie? Tout à fait, Dominique. Je me joins volontiers à ce moment solennel. Et avant tout, je souhaite un excellent sabbat à tous ceux qui nous rejoignent, qu'ils soient de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou d'ailleurs. Comment rester indifférent? Comment se taire face à tant d'attention, d'amour reçu de notre Créateur? Nous allons sans plus tarder porter notre adoration au trône de la grâce. Tendre Père éternel, nous nous présentons devant ton trône de la grâce parce que nous voulons te rendre grâce, te remercier parce que tu es ce Père miséricordieux, celui qui pendant toute la semaine a pris soin de nous. Merci pour ta paix et ton amour dans nos vies, Seigneur. Et qu'en ce moment, en cette sainte convocation, que ton nom soit exalté et glorifié. Nous t'avons demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Ya la 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 ya la 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 dans une semaine les jours s'allègent on sent qu'ils sont toujours les mêmes. Le soir on dort, quand on se lève, pour vivre sa vie, on lutte sans trêve. Mais quand le sixième jour s'achèvera son tour, on peut vraiment s'empêcher de goûter cette joie. C'est le sabbat, Dieu nous dresse sa voix. Sabbat béni, c'est Dieu qui t'a choisi. Jamais tu ne peux être détruit. Tu es ce jour qui rappelle que Dieu fit la nature et tout ce qui vit. Sabbat béni, c'est Dieu qui t'a choisi. Jamais tu ne peux être détruit. Tu es ce jour qui rappelle que Dieu fit la nature et tout ce qui vit. Il les avait fermé les yeux, en menant captivité. Le monde de vie fut transformé, je les a libérés. Une loi leur fut donnée, parmi laquelle le seul point les a été rappelé. Qui déjà était là. Sabbat béni, c'est Dieu qui t'a choisi. Jamais tu ne peux être détruit. Tu
éclaire ce jour qui rappelle que Dieu vit. La terre tue tous ceux qui vivent. Voilà, Satan veut bannir le sabbat, c'est le seul des commandements. Rappelons que Dieu est tout puissant, il est le créateur. Chantons en son honneur. En ce jour, les anges des cieux fait son voix merveilleux. Sabbat béni, ton temps est infini. Sabbat béni, c'est Dieu qui t'a choisi. Jamais tu ne peux être détruit. Tu es ce jour qui rappelle que Dieu vit, la nature et tous ceux qui vivent. Sabbat béni, c'est Dieu qui t'a choisi. Jamais tu ne peux être détruit. Tu es ce jour qui rappelle que Dieu vit. J'aimerais vous relater une histoire qui s'est déroulée durant la Seconde Guerre mondiale. Un train portant son lot de prisonniers arrive dans un camp d'extermination. Des officiers se mettent à faire le tri des passagers dans ce train, séparant les hommes valides, des femmes et des enfants. Un père, membre d'une famille royale, conscient de la scène qui se déroule sous ses yeux, comprend qu'il ne pourra plus jamais revoir son fils. Il s'agenouille devant son fils, le prend par les épaules et lui dit « Michael, mon fils, quoi qu'il arrive, souviens-toi d'une chose. Tu es le fils d'un roi. Juste le temps de cette déclaration pour que le fils et le père soient séparés. Ils furent amenés dans des sections différentes du camp et ils ne se reviennent plus jamais. » Les années passées, Michael apprit que son père fut tué dans une chambre à gaz. Privé de la présence de son père, il dut continuer à vivre en toute autonomie. Toutefois, les dernières paroles du père de Michael résonnèrent inlassablement dans sa mémoire. « Tu es le fils d'un roi. » Michael prit la ferme décision de se comporter en toutes circonstances comme le fils d'un roi. Si nous rapprochons cette histoire, Sylvie, au message de notre Créateur concernant le sabbat, alors nous pouvons déclarer que le sabbat constitue un message extrêmement important de la part de notre Père Céleste, un signe qui déclare « Tu es l'enfant du roi de l'univers, tu m'appartiens ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là
sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Seigneur, tu es mon berger, tu es mon guide, la voix du salut, le sauveur du monde. Tu es mon réconfort, mon défenseur. Sur toi seul, je me repose, roi des rois. Seigneur, tu es mon berger. Ézéchiel 20, verset 20 déclare « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il est important de souligner
que le sabbat révèle nos origines, un Dieu qui nous a créés. Chaque sabbat nous rappelle que nous ne sommes pas des orphelins cosmiques, de misérables enfants abandonnés. Nous sommes indéniablement les enfants du Créateur. Mieux encore, nous avons un Père qui se préoccupe de ses enfants. Tout ce qui nous concerne, le concerne aussi. Comment ne pas croire que tout comme nous, en qualité de parents, nous pouvons être troublés lorsque nos propres enfants sont troublés. Notre Créateur l'est aussi. Lorsque nous souffrons, il souffre avec nous. C'est d'ailleurs ce que le prophète Ésaïe annonce au chapitre 63 au verset 9. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une méditation que j'ai titrée « Les promesses de Dieu dans le livre des psaumes ». Et au chapitre 94 du livre des psaumes, au verset 17, il est écrit « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence ». Si l'Éternel n'était pas mon secours, je serais depuis longtemps dans le silence. Eh bien, nous découvrons ici que le psalmiste vit un moment de confusion totale. Dans la vie de tout individu, il peut arriver qu'à un moment donné, l'épreuve vous visite, cause des situations de stress, quelquefois d'angoisse, et aussi de dépression dans certaines situations plus extrêmes. Dans le cas présent, le danger dont parle le psalmiste vient d'un ennemi. Un ennemi qui oppresse le peuple de Dieu. Et il écrit au verset 3, « Jusque à quand les méchants et éternels, jusque à quand les méchants vont-ils triompher ?» Et d'ajouter au verset 5, « Éternel, ils écrasent ton peuple, ils humilient ton héritage. » Évidemment, la vie de ce serviteur de Dieu est elle-même menacée. Et il a peur. Il a peur. Vous savez, devant la mort, je n'ai pas rencontré grand monde qui n'ait pas peur. J'ai vu des gens passer ce moment avec détresse, avec stress, avec peur, avec découragement. Très rarement, on rencontre quelqu'un en fanfaronné pour dire « Moi, je n'ai pas peur de la mort. » Mais La Fontaine en a fait un poème. Un homme qui réclamait la mort parce qu'il sentait que le fardeau de la vie était trop lourd à porter. Il y avait les impôts, il y avait toutes sortes de problèmes. Et quand la mort est arrivée pour lui demander ce qu'il convenait de faire, il lui a dit « Simplement, si tu veux m'aider à apporter mon ballot de bois jusqu'à la maison. » Je paraphrase. Oui, la mort fait peur. Et la propre vie de ce serviteur de Dieu est menacée. Mais heureusement, quand il témoigne, on découvre qu'il sait, dans cette situation dramatique, vers qui se tourner. Il dira au verset suivant, verset 17, « Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. » Donc, il a une solution à son problème qui n'est pas humaine, qui est divine. L'Éternel est mon secours. Et si ce n'était le cas, il y a longtemps que j'habiterais dans le monde du silence. Vous savez, dans les moments des épreuves, et ça arrive fatalement, les croyants sont invités toujours à trouver leur secours en l'Éternel. Il est toujours disponible et disposé à secourir ses enfants et à secourir son peuple. D'ailleurs, toujours dans le livre des psaumes, au chapitre 46 et au verset 2, il est écrit
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Le psalmiste a encore écrit au chapitre 34, verset 19, « Le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et notons ici que le malheur frappe. Et personne n'est épargné. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. La maladie touche tout le monde. Le malheur frappe tout le monde. Mais il note que l'Éternel l'en délivre toujours, d'une manière ou d'une autre. Même face aux échecs réels ou apparents, nous sommes rassurés que nous pouvons compter sur Dieu et lui faire confiance. Nous sommes assurés que nous pouvons aller vers lui et lui faire confiance. Le champ des degrés nous indique en effet où trouver la solution quand un problème vient frapper à notre porte. Où trouver la solution ? Non, pas dans ce bas monde. La solution n'est pas au milieu des hommes. On peut chercher par-dessus la terre. La solution ne se trouve pas au milieu des hommes. La solution se trouve en haut. Et c'est pourquoi il écrira au psaume 121 premier, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Notez bien que le secours vient de l'Éternel, mais il est précisé qui a fait les cieux et la terre. Par conséquent, il a le pouvoir de créer les cieux et la terre, à plus forte raison, le pouvoir d'intervenir pour apporter une solution dans la vie de ses enfants. Et comme toujours, le secours vient de lui, eh bien, nous avons cette assurance que nous pouvons nous confier en Dieu. Avoir confiance dans le jour de l'épreuve et ne pas avoir peur. Il est très important, bien-aimés, que nous n'ayons pas peur. Car la peur est paralysante, destructrice. Elle nous enlève le sommeil. Et quelquefois nous détruit avant même que nous n'ayons à faire face à une réelle difficulté. De sorte que quand la difficulté arrive, nous n'avons plus les mêmes énergies et la même force parce que nous sommes déjà épuisés. Confiance, faire confiance à Dieu. Aller au-devant de lui avec un cœur sincère, comme il nous invite à le faire, car le psalmiste déclare qu'il irait bien vite vers le silence de la mort si l'Éternel ne l'en avait pas délivré. Par conséquent, pas un cheveu ne tombe de notre tête sans la volonté ou la permission de Dieu. Quelquefois, ce n'est pas sa volonté, c'est au moins sa permission. Et quand on ne va pas jusqu'à la mort, nous pouvons considérer les angoisses ou les situations paralysantes. Et voilà ce qu'il écrit dans le psaume 94, verset 19. « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me donnent la joie. » Une foule de pensées négatives. Le cœur est agité, troublé. Mais tes consolations me donnent la joie. L'Éternel vient porter une consolation qui rassérène et qui redonne la joie, car le chrétien est appelé à demeurer joyeux au milieu des épreuves de la vie. Où donc se situe le point d'appui du psalmiste, qui doit être également celui du croyant, qui doit être votre point d'appui, le mien, celui de tous les enfants de Dieu. Au verset 18 du même psaume 94, il dit « Quand je dis « mon pied est en train de glisser », ah ça c'est un aveu de faiblesse. Glisser signifie avoir des doutes, le découragement. Je perds mes forces, je perds confiance, je m'enfonce. Quand mon pied est en train de glisser, verset 18, il ajoute « Ta bonté éternelle me sert d'appui. » Amen. Ta bonté me sert
d'appui. Je sais que je peux compter sur toi. On peut même remplacer le mot bonté par amour. Ton amour me sert d'appui. Et ce socle sur lequel je peux m'appuyer, sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel je dois m'appuyer et sur lequel tu dois t'appuyer, ce socle ne chancellera jamais. Ce socle n'est pas temporaire, il est permanent. Car il est écrit que le Père comme le Fils est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Et chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Dieu est stable. Tu n'as pas à craindre. Tu peux t'appuyer sur lui. Le socle est solide, tu ne risques pas de tomber. Tu ne risques pas de te perdre, même si ton pied glisse, avance et fais confiance au Seigneur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Vous savez, bien-aimés, le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. Une foi qui ne doit pas faiblir en face des épreuves. Tirée de Tragédie des siècles, page 546. Les épreuves sont là devant nous et elles continueront. Nous pouvons donc nous appuyer sur lui en toute sécurité. Car le danger qui nous guette est le plus grand de tous, c'est un manque de foi. Le danger qui nous guette le plus, c'est un manque de confiance en Dieu qui peut se traduire par une distance barrière que nous mettons entre Dieu et nous. Mais celle-là n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir une distance barrière entre Dieu et nous parce que nous ne risquons dans aucune façon de le contaminer par le virus du péché. Et lui, par contre, il est en mesure de nous apporter le baume qui peut guérir le virus qui est plus puissant que le Covid-19, le péché. Son baume et son médicament, son vaccin, on l'appelle comme on veut, est plus puissant que tous les traitements que l'on pourrait imaginer pour nous délivrer de la puissance du péché. Mes bien-aimés, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur non plus de nous approcher de Dieu, mais au contraire, il nous invite à le faire en Hébreux 4, verset 16. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, c'est-à-dire le pardon, et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Quels sont vos besoins aujourd'hui? Quels sont nos besoins aujourd'hui? Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de lui dans la prière, dans l'étude de sa parole et en toute confiance. Aussi, nous avancerons, les troubles viennent, les troubles vont, mais en Jésus, continuons à nous confier et que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Je crois que Dieu, notre Créateur, est un Père aimant qui s'intéresse à ses enfants. Il s'avère difficile de ne pas reconnaître la valeur exceptionnelle qu'il accorde à ses enfants. Si Dieu m'aime plus que tout, au-delà de mes forces, ai-je besoin de me décourager? Je lui appartiens, tu lui appartiens, nous lui appartenons. Que pourrions-nous désirer de plus? Je ne sais pour toi, Sylvie. Je ne sais pour vous, chers téléspectateurs. Mais mon cœur déborde de joie avec l'assurance que je suis l'enfant du roi de l'univers. Si tout comme moi, vous partagez cette assurance, approchons-nous donc du trône de la grâce et faisons monter l'expression de notre reconnaissance à celui qui est le seul digne d'adoration et de gloire. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège de t'avoir pour Père. Merci d'être celui qui a fait de nous tes enfants. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée et ne point t'exalter, te glorifier pour qui tu es. Merci pour cet amour que tu distilles pour chacun d'entre nous. Que toute l'honneur et que toute la gloire te reviennent, Père, au siècle des siècles. Amen. Amen. Autant d'amour, et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi, tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi, je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je n'ai pas mérité autant d'amour, et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi, tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi, je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je veux t'adorer, mon libérateur, sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentielle.
le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Venu pour nous délivrer, j'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre, oui libre. Je te louerai, je te louerai, te chanterai, te chanterai, t'exalterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre. Amis de Sabbat d'Élise, nous voici donc arrivés au terme de notre programme d'adoration. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle rencontre dans ce Sabbat d'Élise. Que votre joie soit parfaite en Jésus-Christ. Amen. Comme nous aimons à vous le rappeler, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager massivement, à la liker. Un excellent Sabbat d'Élise à tous.